L'objectif de cette mission est d'accroître la capacité opérationnelle des forces nigériennes et de les placer en position de garantir la stabilité dans la région et de combattre le trafic illégal de migrants. La ministre de la Défense, Roberta Pinotti, a expliqué lundi que cette mission comprendrait dans un premier temps 120 militaires et monterait progressivement à 470. Une mission qui devra aider les autorités locales à renforcer le contrôle du territoire du pays par lequel transitent de nombreux migrants. En effet, le Niger est le principal pays de transit pour des dizaines de milliers de migrants qui arrivent en Libye et tentent ensuite de gagner les côtes italiennes et l'Europe. L'Italie confirme son rapprochement avec le Niger après avoir inauguré le 3 janvier son ambassade à Niamey, la première dans l'espace du G5 Sahel. Le ministre de la Coopération internationale italien, Angelino Alfano, était présent et il a annoncé que 40% de l'affectation de l'enveloppe globale des aides italiennes pour l'Afrique seront consacrées exclusivement au Niger.